se jette. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que déjà vous êtes 200. Donc merci à tous. Ah, c'est incroyable les voix qu'on peut faire. Enfin on s'en fout, donc voilà, donc merci à tous. Vous êtes maintenant 200 quelque chose hein. Donc c'est déjà pas mal. Je vous remercie tous bien évidemment. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et que vous aimez tout ce que je fais. Enfin, attention, logique si vous êtes abonné, hein. Mais bon, voilà. Et aussi, donc, vu que c'était mon anniversaire, il y a plus d'une semaine, là. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui me l'ont souhaité, c'était sympa. Et bah, j'ai eu mon HD PVR, et ouais, enfin. Donc, je pense que ça se voit un peu niveau qualité d'image, donc, je suis vraiment super content et tout. Donc là, j'ai testé un peu, peut-être une color correction, je sais pas, je vais voir ce que ça donne sans et avec. Je pense que je testerai genre par exemple celle-là sans ou avec. Je le mettrai de toute façon dans la vidéo. Et je testerai sans aussi pour voir un peu une grande différence au niveau upload et puis niveau qualité. Et du coup ouais, ça me permet de faire des vidéos en vrai HD. Donc déjà là je me fais une petite demande. Ça me permet de faire des vidéos en HD, donc d'avoir une chance de les poster sur Call of Duty QG par exemple. Que je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner si c'est pas déjà fait, vu que c'est une chaîne excellente. Donc sinon au niveau du gameplay, donc je joue avec un AK-47, c'était chargeur amélioré. En équipement Claymore, en secondaire ça devait être Makarov x2. J'avais un gaz Nova en grenade secondaire, en grenade principale c'était une grenade Semtex. C'était en domination, donc dans ma radiation, je vais faire un bon petit score, je vais faire du 40 à 10. C'est pas forcément énorme mais bon c'est déjà pas mal. Sachant que enfin gaz Nova franchement. Enfin, je vois pas beaucoup de monde l'utiliser, mais c'est vraiment énorme ce truc, c'est limite hyper cheaté. Ça fait carrément perdre de la vue aux autres joueurs, et puis ça les fait aussi mal voir. Ça les fait, ouais, mal voir, tout simplement. Donc c'était quand même vachement avantageux, surtout pour les maps... Pour les matchs à objectifs, genre démolition ou domination. Là, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à monter, c'est parce que je devais pas courir, sans doute. J'ai un peu l'air d'un con. Là, je protège B. B qui est vraiment excellente dans cette map. Parce qu'on peut, il y a vraiment plein de façons d'y aller, puis on peut tout défoncer. Surtout cette map, je l'adore en démolition. Parce qu'en démolition, il y a la bombe A ou B qui est ici, là, pile où est-ce que je suis, je crois. Ou de l'autre côté, je sais plus. Et la bombe A qui est dans l'entrepôt, où est-ce que beaucoup vont camper de l'autre côté, où est-ce qu'il y a une commande pour ouvrir le truc avec. Et là, voilà, donc la petite particularité de ce clip que j'ai adoré, c'est que je me suis fait une quadruple, une quintuple, une sextuple, ces trucs. Non, enfin, je me suis fait un beau petit multi-kill, ce qui m'a permis d'obtenir les chiens et le black bear, que j'ai tout de suite mis, puisque je jouais avec l'ancien objectif, j'avais avion espion, black bear et les chiens. Donc c'est vraiment une bonne configuration de jeu, même si ça fait pas énormément de kills, vu que c'est surtout des... Enfin, si, ça en fait, mais pas les killstreaks ne font pas beaucoup de kills à part les chiens, surtout pour voir les ennemis. Maintenant, je crois que j'ai mis napalm, artilleur et chien. Je pense que c'est les deux meilleures configurations. À peu près les deux meilleures. Sauf si vous voulez obtenir souvent des killstreaks, ça c'est. Je sais pas, RCXD, Napalm et puis Cobra 7. Ok, je m'étais fait une, malheureusement c'est dommage, j'ai failli faire du spawn kill du coup. Non, c'est pas grave. Donc en ce moment, je sais pas, je fais plutôt des bonnes parties, mais. Enfin. J'arrive pas forcément à faire des parties, des énormes parties, genre du 70 à 80, du 70 à 80, n'importe quoi, du 70 à 6, ou du 99, 20, enfin des trucs comme ça, je fais quasiment jamais, à part des fois en démolition, quand je suis chaud et puis que je vais bien, enfin voilà, quand je suis chaud, ouais, j'aurais failli encore me faire une trip, j'étais un peu dégoûté. Ouais, je fais plus du 26-3 ou du 35-10, des petits scores comme ça, quoi. Enfin, du score, ouais, normaux, quoi, mais au moins ça fait un ratio de. Un bon ratio. Et puis j'obtiens mes killstreaks. Je sais pas, j'arrive pas, je joue plus, pas à la bourrin en fait. J'essaye un peu de. Comment on pourrait dire ça, même pas de contourner, mais de faire gaffe à ce que je fais. Donc vous voyez quand même qu'on tenait pas mal les positions, là on essayait vraiment de les pas trop leur faire prendre une position, même si en fait le mieux c'est quand même de leur laisser une position pour savoir où est-ce qu'ils réapparaissent, parce que du coup quand ils ont pas de position, on sait pas trop où est-ce qu'ils réapparaissent, même si là ils réapparaissaient c'est tous dans le bâtiment là, tout le temps. Donc ça c'était bien parce que des fois le respawn il change quand vous avez les trois positions E0. Donc aussi ouais, dans cette partie j'ai fait quand même quelques kills chanceux, genre j'ai foutu 4-5 balles au mec et puis
C'était bon. Avec la K47 que j'adore franchement. Même si on a l'impression qu'il est un peu aplati quand on vise, mais bon. On va dire que c'est déjà mieux que dans MW2 où franchement je le trouvais complètement nul. Il y a aussi le commando qui franchement qui est une arme mais bandante. Oh, elle est énorme cette arme. Tout le monde joue avec en plus maintenant, j'ai remarqué ça. Avec la K74U, je pense que c'est une des armes la plus jouée. Et en plus on voit tous les accessoires, on voit tout. Il y a viseur laser, lance-patate, master key, lance-flamme, silencieux, enfin. Franchement, chaque fois qu'on en récolte une, c'est tout le temps avec des accessoires différents. Je sais qu'il est. Pas qu'il est bizarre, mais. Qui tant mieux quoi, sauf lance-grenade. Même si je sais pas, dans Black Ops, excusez-moi, dans Black Ops il y a quand même beaucoup moins de lance-patates. Donc alors attendez, deux secondes, petite pause. Voilà, donc on se retrouve. J'avais eu un petit truc qui a appelé là. C'est mon frère. Oh bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc lance-patates. Donc je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins que dans MW2. Après, je sais pas si c'est moi qui tombe dans des bonnes parties ou pas. Là, je me suis encore fait une double faille triple. Donc, franchement, c'est une partie où j'ai fait. Enfin, où j'ai manqué pas mal de trucs aussi, mais. Où j'ai fait quelques petits beaux trucs. Ouais, trucs et trucs, c'est magnifique. Mais ouais, je trouve qu'il y a moins. Il y a quand même un peu moins de noobs et tout ça. Bah, en même temps, je joue. En démolition, bon, bah, déjà, on peut pas vraiment traiter les gens de campeur. Même si c'est vrai que c'est gavant des fois de voir les mecs qui protègent toujours à la même position. Enfin, je sais pas, mais faut changer un minimum, quoi. J'ai raté un wallbang, non. Puis aussi j'adore le petit escalier là, parce que souvent il y a tout le temps des mecs qui campent là, et quand on contourne les ennemis pour les prendre à revers, et ben, il y a toujours un mec qui campe là, et du coup on lui saute dessus. Ça m'est déjà arrivé de sauter sur trois mecs qui étaient à l'autre en train de camper, qui servait strictement à rien. Du coup je me suis fait une triple, c'est plutôt bien. Savoir que Radiation c'est quand même une de mes meilleures maps, avec Lounge, même si Lounge elle est un peu chiante à la fin. Lounge, qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Nocturne, on la voit plus du tout, ça fait peut-être un mois que j'ai pas joué dedans. Parce que je la trouve jamais. Mais j'avais une autre map aussi là. Oh, c'était quelle map déjà? Quelle map c'était? Bon, je m'en souviens plus. Par contre, je déteste la jungle, je sais pas. Je la trouve qu'elle est. Je sais pas, j'aime pas. C'est comme arrêt. Avant, je l'aimais bien et tout, je faisais souvent des artilleurs, mais maintenant, elle est un peu gavante. Comme Summit. Summit, je crois que c'est la pire map du jeu. C'est incroyable. Le nombre de fois où on tombe de dessus. Incroyable. J'ai dû tomber au moins 20 fois le week-end dernier dedans. Obligé. Incroyable. Ça m'était jamais arrivé de MW2 de tomber autant de fois sur une map. Et là, mais c'est grave gavant. Surtout que tout le monde fait le spot et tout. Enfin, ça... Franchement, je l'aime pas. Enfin bon, après, chacun son avis. Hein. C'est sûr. En plus, il y a quand même pas mal de bâtiments. On va remarquer des fenêtres. Il y a des fenêtres, ouais, donc bon. J'ai un peu de la merde. Désolé. Encore une double ratée et puis la fin de la partie, du coup ça m'a empêché de faire le dernier kill. Mais bon, c'est pas grave, donc je finis sur un score de 40-10. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas essayer de commenter, que tous mes abonnés commentent pour voir un peu combien de me suivent. Et puis bah j'espère que la vidéo vous a plu. Et merci beaucoup pour les 200 abonnés. Allez, ciao.